d'ailleurs. Et voilà, après vous avoir présenté toutes ces différentes histoires sur Spider-Man, j'ai décidé de vous parler d'autres films d'ailleurs. Je vais vous parler de l'un des chefs-d'œuvre de notre ami, comment il s'appelle, Peter Jackson, qui n'est autre que le. Ah, je vais pas vous parler du Seigneur des Anneaux, du moins tout de suite, mais un autre chef-d'œuvre pour moi de Peter Jackson qui est juste exceptionnel, qui n'est autre que. Je pense que vous avez deviné. Les gens vont dire non, mais c'est le Seigneur des Anneaux et tout ça. Eh ben non. Ce n'est pas le Seigneur des Anneaux. Alors, vous allez voir. Je fais une petite surprise, mais j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce film qui est un chef-d'œuvre. L'original est un chef-d'œuvre. Ça vieillit quand même. Mais qu'on appelle ça. Le film de Peter Jackson est juste magistral. De toute façon, je pense que vous allez deviner là. Si vous êtes fan de cinéma, vous savez quel film je vais vous parler. Désolé pour l'actrice. On a. Je crois qu'il s'appelle Adam Brody. Comment il s'appelle? Jack Black. Excellent acteur. Je kiffe Jack Black. Kyle Chandler. Et puis un autre personnage mythique. Mais pour ça, je vais attendre que. Oh mon Dieu, que c'est vieux. Pense que vous avez deviné, on va parler de Kong. Je veux les acteurs et l'équipe à bord pour moins d'une heure. Chef-d'œuvre de Peter Jackson, avec un casting incroyable. Je crois que c'est le chef-d'œuvre de tout le monde en fait, puisque c'est à la fois Peter Jackson, comment il s'appelle, le casting aussi qui est du film qui est juste extraordinaire. Non, Carl, tu peux pas et je faire trouve qu'il manque ils sont malheureux. Après, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui va raconter un film, mais il va aller sur une île. Je crois que ça s'appelle L'île aux monstres, je sais pas quoi. Ah, il y a Jimmy Bell aussi. Casting incroyable dans le film. Le film dure 3 heures. C'est 3 heures de pur bonheur parce que c'est extrêmement bien réalisé. Les effets spéciaux sont incroyables, les acteurs sont phénoménaux. Là dehors, il y a une femme née pour jouer ce rôle. Une femme qui va voyager. Maintenant, je me rappelle du nom. Moi, je savais pas c'était quoi, mais c'est Anne Barrow. J'aime beaucoup Naomi Watts qui joue. Je sais pas comment expliquer ça. Le côté, la grâce en fait. C'est le côté glamour et gracieux du film en fait. Je suis entré en possession d'une carte. Celle d'une île non répertoriée. Non, franchement, exceptionnel. Vraiment exceptionnel ce film. Si vous ne l'avez pas vu, ne perdez pas de temps. Et comme j'en parlais il n'y a pas longtemps, je me suis dit, je comprends pas pourquoi Peter Jackson, le cinéma l'appelle pas, ou Marvel, ou DC Comics, ou d'autres gens, parce que c'est un réalisateur exceptionnel. Le dernier film qu'il ait fait avec Spielberg, par exemple, c'était Tintin, qui était excellent. Il devait faire une suite qui était Temple du Soleil. Malheureusement, pas de nouvelles. Je pense que c'est au point mort. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. J'aime trop je trouve que la métaphore entre la belle et la bête est totalement bien illustrée dans le film. Et puis on aime bien Kong en fait. Je trouve que. Je dis pas qu'on l'aime pas dans les films d'aujourd'hui, mais en fait, Peter Jackson, je sais pas comment dire ça. Bon, oui, il y a Andy Serkis, mais en fait, il donne de l'âme à ce singe en fait. Comme si c'était un être vivant. Enfin, c'est un être vivant, mais il lui donne de l'humanité en fait. Voilà, quand le film s'appelle King Kong, le film de mon père. Alors oui, vous allez voir Kong au bout de 1 heure, 1 heure et demie de film à peu près. Mais franchement, quand tu le vois, tu l'oublies pas. Déjà, et puis, en tout et pour tout, le film sur 3 heures, tu le vois au moins 30 minutes, 1 heure à peu près. Sachant que ça demande beaucoup d'effets spéciaux à mon avis. Et puis des combats aussi avec les dinosaures qui sont très bien faits et les autres créatures. En fait, Peter Jackson, il sait très bien que voilà, il peut pas mettre ça n'aura aucun sens de mettre le singe pendant 3 heures. Ça n'a aucun sens, mais on le voit franchement sur 3 heures, au moins 30 minutes, 1 heure, je pense.
Et puis il y a les autres, voilà, il y a les dinosaures, il y a les combats avec, comment ça s'appelle, avec Kong, qui est très bien fait. Ouais, le combat avec Kong qui est très bien fait. Les créatures aussi. Voilà, c'est vraiment un très très bon film. Et je vais essayer de voir si je peux vous montrer autre chose qui illustre bien ce que je dis. D'ailleurs, il y a un film qui est très bien, hein, que j'ai beaucoup apprécié, qui était une bonne surprise, parce que quand on regarde, on va pas se mentir, on se dit que ça va être, ouais, ça va être vite fait, ça va être un peu nul, ou un truc comme ça. Alors qu'en vrai, c'était une super bonne surprise, parce que, je sais pas comment dire ça. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ben, en fait, on attendait, on se dit, ouais, mais ça a pas l'air dingue et tout. Et en fait, non, le film a tenu ses promesses, déjà en termes de spectaculaire, parce que voir Kong affronter Godzilla, c'était juste incroyable. Alors, je pourrais faire une critique du film, après je vous mens pas. Il va y avoir une suite, je sais pas, peut-être dans un an ou deux, qui est en préparation. Donc, du coup, je vous en parlerai un jour, mais pas maintenant. Avec une offre pareille, vous allez avoir envie de buller au champ. J'essaie de vous montrer un peu plus du film. Allez. En tout cas, voilà ma critique sur King Kong de Peter Jackson, validée à 100%, chef-d'œuvre, masterpiece. Donc, n'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo et vraiment aller voir le film. Vous avez vraiment kiffé si vous l'avez pas vu. Allez, ciao tout le monde.